Cyril Hanouna tacle violemment Laurence Boccolini. Cyril Hanouna n'est pas vraiment fan du travail de Laurence Boccolini sur TF1, et il l'a fait savoir d'une manière très directe, ce vendredi 9 mars sur le plateau de Touche pas à mon poste. Chaque soir et ce depuis plusieurs années, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste s'installent autour de la table pour dévoiler quelques anecdotes croustillantes sur leur vie, relever les défis foot de Cyril Hanouna, mais aussi et surtout donner leur avis avec plus ou moins de tact sur l'actualité télévisuelle. Pas toujours très tendres avec leurs collègues, ils n'hésitent pas à égratigner plusieurs figures emblématiques du PAF, et à pousser quelques coups de gueule. Ce vendredi 9 mars, c'était d'ailleurs Laurence Boccolini, qui se trouvait dans le viseur de la petite bande. D'après les informations de Jean-Marc Morandini, l'animatrice serait sur le point de quitter TF1 à la fin de la saison. S'estimant sous-exploitée depuis l'arrêt de son émission Farmen & Drop, elle serait en effet prête à claquer la porte de la chaîne qui l'emploie depuis de nombreuses années. Une information qui n'a pas eu l'air d'émouvoir le présentateur de Touche pas à mon poste. Ces derniers mois, on avait pu la voir dans le grand blind test qui ne marchait pas, a-t-il indiqué. Si Benjamin Castaldi a expliqué cet échec par une mauvaise programmation, Cyril Hanouna s'est montré beaucoup plus tranchant sur l'action. Selon lui, ce nouveau jeu n'aurait tout simplement pas trouvé son public, car c'était surtout de la merde. Des propos très élégants qui ont été suivis par un fou rire général sur le plateau. J'ai joué 5 minutes et c'est un peu de la demeure, a-t-il une nouvelle fois répété hilar. Fâché avec l'animatrice depuis un petit moment, Cyril Hanouna ne va pas améliorer la situation avec cette déclaration.